Le robot Tesla Optimus est prêt pour des tests sur le terrain dans les usines. L'équipe du Tesla Bot recherche un responsable de programme technique expérimenté pour piloter le déploiement des robots pour les applications d'essai. Ils travailleront quotidiennement avec les équipes d'ingénierie de conception, d'infrastructure, de fabrication et d'exploitation pour identifier et exécuter des applications pilotes de robots humanoïdes dans divers environnements de fabrication. De toute façon, en créant ces robots-là, Musk, ce qu'il veut, c'est ne plus avoir du tout à terme d'employés. Ne plus avoir à les payer. C'est évidemment ça qu'il veut. Hein. Ne soyons pas naïfs. Alors certes, il va aussi vendre les robots aux particuliers pour qu'ils soient, je pense, aux personnes âgées. C'est vrai qu'avoir un robot qui pourrait aider la personne âgée, bon, ça pourrait être pas mal. Mais ça, dans le futur, ça se trouve, nous, qui avons la trentaine, là, on pourra le faire. Hein. Dans 40-50 ans, on pourra en acheter et puis ils pourront nous aider, quoi. Peut-être même avant. Les travaux couvriront plusieurs chantiers et pourront nécessiter des déplacements fréquents. De solides compétences techniques seront utilisées pour identifier et atténuer les risques et réagir rapidement aux problèmes opérationnels et aux objectifs changeants, indique la description de poste. Bon, après, voilà, ils décrivent tous les autres postes qu'il y a à pourvoir. Là, il y a plus de 60 offres de postes hein, pour l'instant liées à ce robot, donc c'est quand même beaucoup. Eh bien, écoutez, affaire à suivre. Que pensez-vous de ce robot Optimus? Seriez-vous prêt à en acheter un dans le futur? Ciao.